A mushroom cloud, a sight fantastic. Stick your head between your legs, kiss your ass. It's a nuclear blast. Et boum, les amis, nous voilà revenus sur la suite de Brotherhood of Steel. C'était il y a 3 ans que j'avais laissé en plan ce jeu. Il te manque une petite mèche blonde. Alors ce sera pas le, du coup ce sera pas le début du jeu, donc si là du coup vous le découvrez, vous allez le prendre en cours de route, sachant que j'avais été quand même un petit peu loin. Je sais plus trop où j'en suis dans le jeu, enfin si, je sais où j'en étais dans le jeu. Parce que du coup j'ai dû rejouer au jeu. J'ai dû complètement y rejouer. Pour revenir là où j'en étais, parce que j'avais perdu ma sauvegarde. Et donc c'était mon let's play que j'avais mis en plan à cause du Covid, et que là du coup j'avais envie de reprendre depuis un certain temps. Et ça y est, c'est là, c'est maintenant. Et donc souvenez-vous, c'est le seul Fallout en mode Diablo-like. Ça tombe bien parce qu'on est en période Diablo. Sauf que du coup il y a des guns. C'est un petit peu l'enfant mal aimé de la série des Fallout, et on ne sait pas pourquoi. Enfin si, on sait un petit peu pourquoi, mais il y a quand même deux écoles, hein. Et moi je fais partie de ceux qui adorent ce jeu, et je pense qu'il faut vraiment y avoir joué pour se rendre compte que c'est vraiment un bon jeu. C'est vraiment aussi, ça s'ancre bien dans l'esprit Fallout, dans l'univers de Fallout, avec des petits trucs en plus, et c'est un petit peu plus barré que Fallout 3, et c'est ça qui est bien aussi, c'est vraiment ça. Ça retrouve l'esprit barré qu'il y avait dans le 1 et le 2, avec les insultes, avec la misogynie, mais les mecs prennent cher quand même. Voilà, n'hésitez pas à me dire si il y a un souci, si le son est trop fort, n'hésitez pas à me dire. Et donc j'en étais, alors petit récapitulatif des épisodes précédents. Donc nous sommes Nadia, voilà, ça c'est Nadia, je vais la foutre à poil comme ça vous allez bien voir qui c'est. Hop, oh salut Nadia. Voilà, ça c'est Sachnek. Non, je veux pas. Hop, voilà, avec un petit pistolet. Alors c'est dommage, on ne peut pas tourner le personnage. C'est bizarre d'ailleurs, il est en 3D, mais on peut pas le tourner. Et donc voilà, petit bikini post-apo. Avec un piercing sur le nombril apparemment. Elle a même les... Enfin, on dirait qu'elle a les tétons percés, ou alors c'est un tatouage, on ne sait pas. En tout cas, c'est de la texture. Et donc ça, c'est Nadia. Voilà, on va lui remettre sa petite armure. Ou on va lui mettre juste les bottes, les gantelets, et voilà. Et le casque. Et du coup, j'étais en armure Tesla. Voilà mes équipements. Et donc, j'en étais à... je suis niveau 18. Alors, je sais plus si sur mon ancienne série, je suis à peu près au même niveau. Donc, vu que j'ai dû refaire le jeu en entier. Et donc... Nadia, qui qui en a marre de la vie et qui décide à un moment donné de se réveiller et de faire partie de la confrérie glacier. Donc elle veut trouver la confrérie glacier. Donc elle démarre dans un village qui se fait attaquer par une sadomaso à moitié à poil qui est la chef des pillards et qui pille le village. Donc elle aide les villageois à tuer tous les pillards et qui lui donne l'indication de où est-ce qu'elle peut trouver la confrérie glacier. Du coup, elle se retrouve embarquée dans une aventure où elle doit rencontrer des ghouls, tuer des mutants, tuer des super mutants, et elle finit par tomber sur l'abri, sur un abri secret. Dans cet abri, on rencontre le méga chef des mutants qui nous enlève un des bras. On s'est fait arracher un bras. Et donc on est laissé pour mort, il nous laisse pour morte, enfin pour morte, mais on se fait recueillir par les anciennes habitantes de l'abri qui sont toujours dans cet abri secret, qui sont que des meufs bonasses blondes,
Et ça tombe bien. Ça fait plaisir qu'il nous regreffe un bras, qu'il nous recrée un nouveau bras. Et qu'on aide à évacuer leur abri parce qu'ils se font envahir par les super mutants. Et elles ont peur que la situation devient insupportable et du coup elles ont peur que les super mutants découvrent tous leurs secrets d'armement et tout ça machin. Du coup elles décident de fuir leur abri parce qu'elles ont quasiment plus de ressources. On les a aidées et là on doit finir de détruire les mutants et pour ça on doit retrouver un mec dans un laboratoire secret, dans les ruines de cette, dans les ruines souterraines de cet abri secret. Ta voix me dit quelque chose. T'aurais pas fait un stream avec Redo? Non, non, non. enfin, je crois pas. Je crois pas que j'ai fait un stream avec Redo. J'ai fait un stream avec Redo hier? Je me souviens plus. Non, je l'ai rencontré quand j'étais à la TV42 et juste on l'a raid comme ça et puis c'est devenu une super découverte le raido. Il y a trois ans. C'était il y a 3 ans. Ou 2 ans et demi. Je sais plus. Ou 2 ans. Mais j'ai pas souvenir d'avoir fait un live avec raido. Ah, on l'avait invité! Ah mais oui, c'est vrai. Peut-être, ouais, on l'avait invité sur une grosse émission de la TV42, c'est possible, ouais. Ah putain, ça remonte, hein. Ça remonte. Bref, les amis, donc nous y voilà, nous sommes dans les ruines niveau 2. J'en étais rendu là. Donc j'étais à 11 heures de jeu à peu près. Oui, je l'avais invité. Mais putain, ça remonte, hein. Je me souviens plus. Hein. Peut-être qu'il y avait des Eris aussi, peut-être. D'ailleurs, je me demande ce qu'elle devient des Eris. Ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles. C'est quoi la TV42? La TV42, alors... La TV42... C'est une chaîne Twitch où on était un petit groupe de streamers et qui a volé en éclats. mais qui tourne toujours, mais sur YouTube maintenant, et qui est toujours dirigé par mon frangin. Donc voilà, mon frangin fait des émissions sur la chaîne YouTube et non plus sur Twitch, sur la chaîne YouTube The Vault 42. Donc toujours très inspiré Fallout. Hein. Allez, on est parti. Alors n'hésite pas à me dire, hein, vraiment, hein, si c'est trop fort, sachant que je sais que les bruits de tir peuvent être assez forts et assez désagréables. La longue. C'est un peu fort, oui. Alors, je baisse. Après, je peux peut-être régler ici... Là, comme ça. On va garder la musique, parce que la musique est cool. Feu de joie, je sais pas ce que c'est. Pourquoi il me le valide pas? Ah, accepté. Ok. Retour au jeu. Ça m'a l'air toujours un petit peu fort. Ça s'écrit The Vault 42, exactement. Tout attaché The Vault 42. Alors je pense que c'est toujours un petit peu fort. Oh, quel plaisir de jouer à ce jeu. Hein. Franchement, je l'ai bourré. Hein. Je l'ai bourré pour revenir là où j'en étais. Et je l'ai bourré cette semaine d'ailleurs. Enfin, hier. Ou avant-hier, je sais plus. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de... Oh putain! Il est un peu gros, lui. Alors, on va essayer de se mettre autre chose. J'ai un lance-fusée.
Virer ça, je vais prendre le fusil laser, le canon laser. Il devrait pas trop rigoler avec ça. Voilà, c'est réglé. Hop là. On est vraiment sur un Diablo-like, hein. C'est du pur Diablo, mais avec des guns, et ça, ça fait plaisir. Et dans l'univers de Fallout. Et je crois me souvenir que... franchement, on y rejoue encore aujourd'hui, 3 ans après. Je crois me souvenir que j'avais dit des trucs du genre que ce jeu était quand même... Je trouve qu'il a pas vraiment tant vieilli que ça. Il est encore très jouable aujourd'hui. Certes, graphiquement, il a un peu vieilli. Mais il reste quand même cool, quoi. Fun. On s'emmerde pas, on se fait pas chier. Les niveaux ont une certaine logique. Oh, les steampacks. Ah, est-ce que je peux casser ça? Je ne peux rien faire. Et d'ailleurs, petite nouveauté par rapport à mon ancienne, à mon ancien Let's Play, sachant que c'est un jeu PS2. En fait, il était sorti sur Xbox. Moi, je l'ai vu à l'époque sur Xbox classique. Mais là, je suis sur PlayStation 2, sur émulateur PlayStation 2. Avec un petit patch où maintenant le jeu est en vrai 16.9. Parce qu'avant, ma série était en 4 tiers, et là on est sur un vrai 16.9. Donc c'est assez cool. Ouais, que des meufs trucidés, décapités. Putain, les écorcheurs. Partout. Ça, ça fait ça parce que c'est un con. Alors j'ai un compagnon d'ailleurs, j'ai un petit chien qui sert pas à grand chose malheureusement parce qu'il est tout pourri. Et mes guns sont... C'est quand même des guns super évolués, mais là ils me sortent des écorcheurs, du coup ça résiste de ouf. Et je n'ai aucun souvenir. Là, je l'avais fini au moins une fois, ça c'est sûr, à l'époque. Et je pense même deux, parce que je me vois y rejouer quelques années après, c'était dans les années 2005, un truc de genre. Roger Rabat du Fallout pour El Black Devil Orgasme Visuel, salut, salut Roger Rabat, comment ça va? Et Yarog, salut Yarog. Et oui, je sais plus si c'était tout là, Roger Rabat, mais c'est la suite de Brotherhood of Steel. La fuite! Oh merde, un gros. Il a pas de barre de vie, lui! Ah si! Oh, ça va, il est pas trop costaud. Ah d'ailleurs, je me demande si dans cette version, parce que là, on n'a pas les noms, s'ils disent griffe mort ou s'ils disent écorcheur. Ça, je me pose la question. Ça va faire, c'est fou, survivaliste. Ah oui, Psychopathe 2, il est pas modo. Comment ça se fait? Ah merde, il est vivant, lui.
J'ai même pas fait gaffe. Elle, ah, hey, Psychopathe 2 est une nana. Oh bah, d'autant plus. Et alors? Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Il y a un E. Un psychopathe E. Logique. Ah, bah oui. Parce que sinon, si c'était un mec, on aurait dit psychopathe. Putain, mais il revient en boucle ou quoi, là? Après, question vie, là, je suis assez large. Je crois que j'ai plus d'une centaine de Steam Packs. J'ai l'impression qu'ils reviennent en boucle. On se barre. Avant qu'il y en ait d'autres qui reviennent. L'interrupteur est de l'autre côté. Ah merde! Les graphismes sont visuels. Je me souviens plus de la date, hein, mais on est en 2002 ou 2001, un truc de genre. Hein. Je sais plus exactement. On dirait de la fin de la PS1. Ah non, non, il était sorti sur Xbox et PS2 à l'époque. Mécanisme porte électrique. Alors, on peut pas passer là. Ah putain, mais d'où ils viennent ? Bon, ça suffit. Ça suffit, les conneries. Tout en l'air jusqu'à ce que cette porte s'ouvre. Quoi? Ah, d'accord, je suis bloqué dans une zone avec une grosse vague d'ennemis. Ok, faut que je trouve le moyen de me barrer. Comment je fais? Attends, et si ça je l'explose? Je parie que la porte vient de se débloquer. Ok, il fallait juste la bousiller. Et où est la porte? Oh, ça fait de l'XP. Tu commences à me faire mal, c'est con. Quel scénar en fait? Ah merde, t'es arrivé juste après que j'ai fait un récap du scénar. Attends, je vais te le redire, les scénars. En gros, nous sommes Nadia. Nous sommes Nadia. Et donc on parcourait les terres désolées. On foutait pas grand chose de notre vie et on a toujours voulu rejoindre la confrérie de l'acier. Donc un jour on se motive et on décide de trouver la confrérie de l'acier. Sauf que dans le village où on débarque, le village se fait terroriser par une armée de... Vas-y, je fais une sauvegarde, tiens. Par une armée de pillards. Conduite par une chef des pillards quasiment à poil. Vous vous souvenez quand je vous ai montré Nadia nue, hein? Comme ça. La chef des pillards, elle a encore moins sur elle. Et en cuir. Putain, mais faut que j'aille où, là? Ah, rechercher le casier. Oh, mais c'est de l'autre côté! Ça, je peux pas ouvrir. Ordinateur, labo 1.
Du coup, on aide les villageois à se débarrasser de cette armée de pillards. On se rend compte que les pillards se sont associés avec un maire, le maire du village, et qui au final est un salopard. Oh, le reset d'un Stras. Salut mon Strasounet, comment ça va? Bien ou bien? D'ailleurs, est-ce que mon Black Devil est bien situé? Je ne sais pas. Je vais peut-être me mettre de l'autre côté, parce que du coup, vous voyez pas les armes. Enfin, vous voyez pas la roue des armes. Voilà, là, comme ça, au moins, vous la voyez. Stras qui lâche des caps. Comment qu'il va, le Stras? Ça, je l'ai bousillé. Bon, explorons. Peut-être qu'il y a un autre passage. Attends, mais là, on peut aller, là? Non, on peut pas. Caps ou pas caps? Si t'es pas caps, tant pis. Donc j'en étais où? Oui, on aide les villageois, on se débarrasse de l'armée de pillards, on défonce la chef des pillards, sadomasochiste. Du coup, on découvre, on fait des rencontres, on découvre une piste pour trouver la confrérie de l'acier. Du coup, on va dans la ville des Ghouls. La ville des Ghouls est infestée de mutants. Du coup, on les débarrasse des mutants. On se rend compte que le chef des mutants avait capturé un ancien de la confrérie de l'acier, du coup, qui nous aide à retrouver un abri secret. Du coup, on va vers cet abri secret. Putain, là, je suis perdu. Hein. Là, je suis perdu. Je ne vois pas où est-ce que je dois aller. Je vais devoir revenir à cette porte. Jeter l'interrupteur. Quoi? Oui, les ghouls, les mutants, oui. Après, dans l'univers Fallout, ils séparent ghouls et mutants. Les ghouls, les mecs sont en décomposition. Les mutants, c'est des mecs en mode monstre Tortue Ninja. Du coup, c'est des mecs qui ont vraiment muté, mais qui sont pas en décomposition, au contraire des ghouls. Oui, c'est ça, Roger Abbott, oui. Putain, mais on peut pas... Ces ennemis qui repopent tout le temps, qui m'emmerdent. Forcément, il y a un truc que je loupe. On dirait qu'il y a un passage là. Du coup, on se fait. Donc, on tombe sur le chef des super mutants, le Big Chef. Qui nous défonce, enfin on le défonce, mais au final c'est lui qui a gagné parce que scénario. Et du coup il nous arrache un de nos bras et il nous laisse pour mort, il nous jette dans un puits. Et on se fait sauver et recueillir par les habitantes de cet abri secret, qui sont que des meufs bonasses blondes, tout droit sorties du monde de Barbie. Et on les aide à se débarrasser de leurs problèmes de robots. Elles ont des problèmes de robots dans leur abri qui ont pété un câble. Et d'infestation de mutants. De super mutants. Donc on les aide. Donc on règle leurs problèmes de machines. Et du coup, elles décident quand même de... elles veulent se barrer de cet abri, elles veulent aller pour la première fois à la surface. Parce qu'elles n'ont plus...
elles n'ont plus de ressources dans cet abri, enfin les ressources s'appauvrissent. Du coup, elles décident de se barrer. Et nous, on est toujours. Nous, on a décidé de rester ici parce qu'on veut continuer à trouver une piste pour rejoindre la confrérie glacier. Mais avant ça, il faut qu'on finisse de se débarrasser de l'infection mutante de cet abri. Donc, elle nous envoie dans les ruines pour rencontrer un mec dans un laboratoire souterrain. Et on en est là. Oui, et on a récupéré notre bras. C'est-à-dire que quand elles nous ont sauvés, elles nous ont greffé un nouveau bras. Donc on est comme y a pas moyen de passer là. Abrace Sophie. Porte électrique. Obviously, je peux passer. Peut-être un truc que je vois pas là. Forcément un truc. Là ici, il y avait quoi? Vas-y, soyons observateurs. On va augmenter la lumière parce qu'on voit que dalle. Faut que ça nous brûle la rétine. Comme Bucky Barnes. Eh oui, c'est un peu ça. C'est cramé, mais au moins on y voit un peu mieux. Donc du coup, qu'est-ce que je loupe là? Interrupteur doit être de l'autre côté. Et pourquoi on peut pas passer? Un chien, oui, j'ai débloqué une compétence qui permet de d'être accompagné d'un chien, ouais. Après, il sert pas à grand chose. Il est un peu naze. Est-ce qu'on voit l'interrupteur d'ici d'ailleurs? Là, je peux pas l'activer de là! Ah si, je peux, en tirant! Oh putain, fallait juste tirer dessus. Ok. Ok, vas-y, on va remettre sombre. Ah, comme ça. Là, c'est bien. Retour au jeu. Oh putain, ça y est, je suis débloqué. Parce que j'ai ramassé le message, est parti trop vite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Jetez un coup d'œil. Ok, y a rien. C'est sûr que le personnage s'était bloqué. Super. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais ce qui se passe. C'est ma souris 3D qui interfère, je pense. Super ordinateur 1B. Ok, on a bousillé l'ordinateur et on y voit encore moins bien. Il se passe toujours rien. Le premier réflexe, c'est de taper dessus. Et il était pas très coopératif. Ah oui, là c'est vraiment, on voit que dalle. Des petites sauvegardes. Ça s'ouvre pas, s'il s'ouvre. Il y a un mec là.
Et on voit que... Oh putain, il y a un trou. On va quand même essayer d'économiser les munitions. Ces munitions, ça coûte cher, ma bonne dame. Araignée, mais qui... Alors je sais pas ce qu'elle a, ça m'avait jamais fait ça, elle se bloque tout d'un coup comme ça, elle avance, elle est bloquée, elle tire. Crétin ! Quoi ? Comment ça crétin ? Recherche le bureau de R. Akiki ! Caps, c'est tout. Bureau de R. Hanson. 100 caps. C'est passé tôt. Je n'ai pas besoin d'un beau mec gonflable. Ah, les bondes, les dialogues. C'est là où ce jeu est incroyable. Les dialogues sont extrêmement goldés. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle se bloque ! Ça m'avait jamais fait ça. C'est quoi ça, beurre? C'est carrément dégoûtant, c'est du sperme. Bureau de avoulage. 1000 caps. Allez, on bouge les araignées. Et voilà, elle fait n'importe quoi. Attendez, je vais débrancher la manette, je vais la rebrancher. Bizarre ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'on ne peut pas passer. Ruine 3. Alors c'est con parce que du coup j'ai l'impression qu'il y a plein de zones que j'ai pas pu... voir. Mais qu'est-ce qu'elle a, bordel? Attendez, je vais relancer le jeu, c'est pas possible. Je fais une petite sauvegarde comme ça. Je vais relancer le jeu, je pense. Ça me l'avait jamais fait jusque-là. Jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors on recharge. La magie de l'émulateur. Oh putain, faut être deux. Ah non, mais hey, c'est dingue là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ma manette, elle n'arrête pas de... Putain, et j'ai fait... Les 11 premières heures, je n'ai eu aucun problème. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle se bloque? Bon, changeons de zone. Cette zone a l'air maudite. Elle a l'air méga maudite. Au pire, on reviendra. Ouais, des œufs là.
Est-ce qu'on peut les bousiller avant que ça éclose? Non, on ne peut pas, on est baisé. Bon putain, va y en avoir plein. Voilà. Et mon personnage est bloqué. Putain, mais c'est dingue. C'est dingue. De jouer dans les conditions pareilles. J'ai des milliards de munitions. Oh putain, il y en a 3000. Ok. Petite sauvegarde. Et en plus, ça remet de la vie au chien. Vas-y, toi, je vais te découper. Une musique. Quelqu'un qui écoute de la musique. Ah bah c'est bouteille pour demander du secours. Ah. Tiens. Attendez. Je l'ai pas encore utilisé ça. D'ailleurs. Ce n'est pas alimenté en électricité. Ouais, ouais. Merde, j'ai tué le chien. Ça, mais il y a une musique. La musique est à fond. Ça va se réveiller tout ça. On peut les bousiller comme ça. Voilà, avec ça, ça défouraille. Qu'est-ce qu'ils sont gros, ceux-là ? Putain, mais il y en a des milliards. Attends, on va vraiment leur nettoyer leur abri là. En plus, une seule bestiole. Vas-y, je vais reprendre le... ça, parce que vous êtes trop les gars.
Oui, tout petit, lui. Cette zone va être bientôt pacifiée. Là, par contre, j'ai les munitions qui tombent. Y'a que des meufs, y'a que des meufs mortes. Asia Music, oh merci pour le raid. Et bienvenue les Asia Musiciens. Et boum, salut Asia Music, bien ou bien. T'es en train de. J'ai vu que t'étais en train de faire du Harry Potter. Longtemps que je suis pas venu. Ah, oh, ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Mais moi, ça va bien. Je reprends un vieux bail, un vieux jeu. Que j'avais pas fini, que j'avais laissé en plan à cause du Covid il y a 3 ans. À Singapour, j'avais perdu ma sauvegarde, du coup, il a fallu que je le reprenne de zéro. Salut, Blurry Blue. Que des modos. Ah oui, dur la perte de sauvegarde. J'avoue que ça avait bien emmerdé, sachant que j'avais déjà... j'avais pas mal progressé, j'étais à 11 heures de jeu. Après, le jeu est cool, enfin moi j'aime bien, donc moi ça va pas tant déranger que ça, c'est juste un petit peu casse-couille de devoir tout... de devoir se débarrasser de notre progression. GG les raiders, oui GG les raiders, bah alors. Et sachant que ce jeu est quand même un petit peu plus joli que Hogwarts Legacy, non? Je veux dire, certes, Hogwarts Legacy, il est un peu joli, mais là, on est quand même sur un triple A. Heureusement que t'aimes le jeu, sinon... Regardez ça, là on a des milliards de polygones. Et putain, il y en a partout. Putain de griffes morts. Après je pense que c'est des griffes morts parce que écorcheur ça a été inventé par Bethesda quelque part il me semble. J'ai jamais créé... c'est clairement le jeu le plus beau jamais créé tout à fait. Ah il y a un charme, on va dire qu'il y a un charme. Après ce jeu a quand même plus de 20 ans. Fallout, l'histoire de cette licence m'intéresse, mais j'ai du mal à faire les jeux. Ah, oui, bah après... Faut aimer le style, c'est vrai que... Puis en plus, c'est un petit peu dur, hein. Sans Solus, c'est un petit peu dur. Faut vraiment être très affûté, quoi. Faut pas skip les dialogues, faut comprendre un peu ce qui se passe et ce qui se dit. Sinon, t'es un peu largué, tu sais pas quoi faire. Mais c'est ça qui est bien, c'est les jeux de l'époque. Les jeux de l'époque, il n'y avait pas de tuto, tu te démerdes. Il y avait un tuto dans Duke Nukem ? Non, zéro. Il y avait un tuto dans Doom ? Non.
salut Def Paddon, Choupette et Arkane 69. Ça par contre, oui, le charme des anciens jeux reste magique, oui. C'est pour ça qu'on est dans une époque où on peut clairement... Franchement, il n'y a aucun moyen de s'ennuyer, quoi. Enfin, je veux dire, on a quand même accès à des milliards de jeux vidéo gratos grâce aux émulateurs, ROM Station et tout ça. Donc, il n'y a vraiment aucun moyen de s'ennuyer. T'es perdu, t'allais à ton marchand de journaux et chez le gros livret de Solus. S'il était dispo. Et oui, et moi je me souviens que Fallout 1, j'avais énormément galéré, hein, parce que je l'avais eu un peu après sa sortie. Quelques mois après, je crois. Et accroche-toi, quoi. Parce que comme tu dis, effectivement, les Solus, c'était que dans certains magazines qu'il fallait que tu trouves, quoi. Ou sur Minitel. T'es allé sur 3615 Ula. 3617 Ula. Maintenant vive Internet, oui. Et même vive ChatGPT. Faudrait demander à ChatGPT, est-ce que tu peux me balancer la Solus de tel jeu? Je suis sûr qu'il doit pouvoir la balancer. Qu'il doit pouvoir balancer les Solus. T'avais des Solus, mais pas vraiment pour ça. Bah, c'est ce qu'ils mettaient à la fin des magazines de jeux vidéo, non? À la fin des magazines de jeux vidéo, t'avais toujours des accès... Voilà, ils disaient achète CD avec cette meuf qui ne porte que... Qui ne porte qu'un bonnet sur la tête. Attends, je reviens en arrière là ou quoi? J'ai l'impression de revenir en arrière là. Et oui, là, je reviens en arrière. Y a un truc que j'ai loupé. Mais c'est pas possible. Peut-être y a un truc qu'il fallait ramasser. À part là, apparemment, il y a une zone que j'ai pas faite. Oh oui. J'ai les munitions qui y baissent. J'ai plus de problème de manette soudainement. C'était peut-être vraiment lié à l'autre zone. Le mini-queue ! Oh ! Petite armure de pouvoir. Alors c'est marrant, la traduction FR, ils appellent ça armure de pouvoir, alors qu'en fait, je pense que c'est du coup... Oh ! L'armure de la confrérie. Elle est mignonne comme ça avec ses petits patins, ses petites pantoufles. C'est... Ah vas-y, on va la mettre comme ça. Attends, et du coup, il y a eu un minigun là. Oh yo 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 yo. Ah là, ça rigole plus.
Oh putain! Ah, je sais pas où j'en suis, donc je sais pas si je suis loin de la fin ou pas. Les pantoufles en métal, en acier. Ça gaspille des masses de munitions et ça fait pas beaucoup plus de dégâts. Le petit passage de niveau. Armure en plus, hop. Encore un truc pour demander du secours. Oh, Viciously, salut! Et Discord for Streamer, salut les amis. Du coup, j'ai double arme lourde là. Soit un prédateur! Zone pacifiée. Salut Vicious, bien ou bien? Ça va et toi? Je peux pas bouger avec l'arme lourde. Quand je tire, je peux pas bouger. Ça défouraille sec, hein, c'est sec tout ça. Petite Nadia. La petite, le dos, le petit dos. Ah oui, le dos. Alors j'ai toujours un petit peu. J'ai toujours un petit peu mal, mais ça va quand même, ça. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. La dernière fois c'était il y a 3 ans. Et la 3 ans c'était pire que ça encore. Parce que la 3e, là, il y a 3 ans j'étais carrément bloqué. Je pouvais absolument plus marcher. J'étais obligé d'aller à l'hôpital. Comme ça s'est produit en plein après-midi, comme ça. J'étais allongé sur le canapé avec ma femme, on regardait un film, et à la fin du film, j'étais bloqué, je pouvais pas me lever du canapé. Toi aussi, t'as eu des soucis de dos? Oui. La semaine dernière. C'est que le bébé grandir, arrête de le porter partout. La grotte des ruines de la Brie. On n'est pas loin. Putain, et les effets de flotte quand même pour l'époque, hein. Hein, quand même, hein. Et oui, ça s'est produit juste un peu après que je l'ai porté, ouais. Quoi? Failli le marcher, merde. Et j'ai commencé à pouvoir me lever et à marcher de moi-même que le lendemain, mais très difficilement et très doucement. J'ai fait oui, mais la couleur de l'eau, c'est pas ça. Ah ben, c'est pas de l'eau, c'est de l'eau toxique, quoi. C'est vert. Il y a un petit indice. Allez, zone suivante. Oh, putain, on est déjà à 55 minutes. C'est passé une vitesse quand on s'amuse sur un jeu génial. Je sors de l'hôpital pour opération du dos il y a 3 semaines à peine, donc je compatis. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu dois avoir la clé du laboratoire de l'abri avant de partir. Je veux pas me barrer. Bah, mon gros, mais qu'est-ce que tu fais là? Qui êtes-vous? Oh putain, il a eu le Covid. Bon,
c'est sans importance. J'ai besoin de votre aide. Nous devons sortir d'ici avant qu'elle revienne. Ah merde, on l'entend pas. Vous l'avez entendu ou pas? Il fait flipper. Oui, je suis le chef scientifique. Il va falloir que je remonte les... Je m'appelle Dubois. Je dois retrouver mon équipe. Ils sont perdus sans moi. Ses lèvres. Tes gens sont sur le point d'être évacués. La brise est envahie par des mutants. T'es plutôt perdu toi-même, trou du cul. Des mutants? Oh, c'est pire. Ils bougent pas les lèvres. Ils n'ont pas le droit de voler nos recherches. Tu dois m'aider à m'échapper avant qu'elles reviennent. Mais de qui tu parles? Mais qui es-tu? Oui, oui, j'ai la clé du laboratoire de l'abri. Je te la donnerai dès qu'on sera sorti d'ici. Maintenant, on se dépêche. Attends. T'as entendu ça? Et c'est moi, GPT. Écoute-moi, elle pourrait revenir. Et pourquoi on l'entend pas, bordel? Cet abri. Il y a des choses que le reste du monde ne doit pas savoir. Laisse-moi, dépêche-toi. Oh, ils peuvent le savoir, ça va, on... Ah putain, il nous a défoncé. Aïe. Ah, le scientifique, bisous. Mais en même temps, il est resté planté là, quoi. Le mec, il pouvait pas se barrer. T'es con. T'es con, toi. J'avais hernie discale avec sciatique et canal étroit. Ah oui. Ah oui. Ah non, moi j'ai... Je pense pas que c'est aussi grave que toi, mais... Quelque part, c'était une sorte de hernie discale pour moi, quoi. Il y a les musiques. Je vais remonter les SFX. Ce serait quand même bien d'entendre les PNJ. Et donc là, ils disent bien griffe de mort. Des griffes de mort. Maman griffe de mort. Traduction FR. Ils se sont bien lâchés sur les insultes. Mais alors, les traductions des noms, ils étaient aux fraises. Hein. Bon, elle est où la maman? C'est marrant, le point de vue caméra a un peu changé. On est un peu en vue troisième personne, là. On n'est plus en top shot. Je compatis, prends soin de toi surtout. Ben... Oui, moi c'est Peanuts, comparativement à toi. Mais... c'est vrai que ça fait peur, quoi. Quand ça t'arrive comme ça d'un coup... Et quand t'as pas l'habitude, surtout. Zéro dégâts. Mais moi aussi, je prends zéro dégâts. Et par contre, je défonce mon chien. Elle est cool, cette vue, là. Il voit mieux, déjà. Vas-y, on va lui prendre le canon laser. Ça défonce plus vite déjà. C'est quel jeu? C'est Fallout Brotherhood of Steel. Ah putain, mais oui, elle régène dans le slime, t'as raison, j'avais pas fait gaffe. J'ai pas fait de sauvegarde avant.
Ok, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Et bloqué. Merde, 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 merde. Putain, bien vu, Roger Rabat. Plus de munitions, plus de munitions. C'est bon! Bah, c'était 20 cartouches. Je pense que ça s'est déclenché d'un coup aussi, moi, sans vouloir te faire peur. Ah, pareil pour toi, d'accord. Bah, ça me fait pas peur s'il faut me perdre. GG, merci. Carte clé du laboratoire. La petite musique, tranquille. Allez, on se barre. Ça fait un peu musique Half-Life là. Récupère les petits loot qu'on peut trouver. Le scientifique a complètement été englobé. Ok, du coup, on a éradiqué la reine. Des griffes de mort. Les griffes de ses morts. Oh merde, y a des invisibles. Putain, les invisibles, c'est horrible, si tu peux pas les lock. Oh putain, merde, s'ils me mettent que des invisibles, ça va être chiant. Cool le casque. Ah Dieu, ah t'as déclenché le casque. Oui, c'est le casque de Dead Space 3, oui. Il va falloir que j'en rajoute d'autres. Oh putain, ils font encore plus mal ceux-là. Et en plus ils sont invisibles. S'ils ont parsemé le chemin que d'invisibles, ça va être casse-couille. Des prédateurs. Que dalle ici. On sent bien la RTX. Ah ouais, là, faut au moins une 4090 là pour que ça tourne. C'est pour ça que j'ai investi. Hein. Tiens, faisons une sauvegarde, sait-on jamais. Faudrait pas se faire baiser. Chemin visible, c'est le côté. 1000 sims hyper réalistes. 1000 sims. La musique est chelou par contre. Les musiques étaient meilleures au début du jeu. Si fait. Il a envie de faire caca, le chien. Il a envie de faire caca. C'est pas le moment. Ah putain, ils vont me bousiller toutes mes cartouches. Défonce. Bah vas-y, on va bourrer, ça suffit là.
Allez, on va tous les agglutiner. Et suivez-moi, suivez-moi. Et après, je vous prends tous. Tous d'un coup. D'ailleurs... je vais prendre... je vais me dire ça et je vais prendre le... le lance-fusée. Ah, je peux pas l'utiliser. Ne peut pas équiper. Quoi? Ah putain, faut peut-être que... en fait, j'aurais dû mettre une compétence spéciale pour pouvoir utiliser ça. Ah merde. Mais... fais le mort, oui, c'est bien mon chien. Tiens, voilà une croquette radioactive. Il y a le troupeau là qui est juste derrière. Je vous ai dit, c'est Diablo ce jeu. C'est mieux que Diablo. C'était Diablo 3, 15 ans avant Diablo 3. Je sais plus quand est sorti Diablo 3, non, 10 ans avant Diablo 3. Oh la vache! Il y en a tellement! Allez, là on rigole plus. Prédateur! Allez, on défouraille le paquet. Voilà. Le petit monticule. Ah, on va revenir voir les habitants de l'Abri, les magnifiques blondies. Elles sont toutes blondes. Alors, est-ce que c'est toujours bloqué là? C'est toujours bloqué, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Putain, et s'ils ont mis des invisibles dans cette zone, c'est de la triche. Et tu vas où? Mais reviens! Et il va où? Ah, le chien! Le chien a sauté dans le vide, ce con. Si on veut le réinvoquer. Mais qu'il est con. Oui, je suis à combien là? Je suis à 1h10 d'épisode. Donc une fois qu'on a, on est revenu à l'abri, on va clôturer l'épisode. Ok, il y en a un autre, mais je l'ai pas vu. Putain, elles sont revenues, ces bestioles, là. Casse-couille. Ça s'est pas ouvert, là, des fois. Ah, mais si, ça s'est ouvert. Ben voilà. Ben alors. Du coup, j'avais pas fait cette zone. Oh, attention, attention. J'ai une munition qui tombe à vue d'œil. Ok, il s'est jeté dans le vide.
Il s'est jeté lui aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit coffre. Vas-y, je vais faire une sauvegarde comme ceci. Ok, petite zone cachée. Tellement. Je commence à plus trop avoir de munitions. Crève. Sur mes vies, quand même. Ah, il y a la sortie là. M'emmerder. Récupérer un lance-roquette, mais je peux pas utiliser. Tout ce qu'il y a ici. Ok. Donc barrons-nous. Sauvegarde. Les lances de fusée, effectivement. On retourne au jardin de l'abri. Moi, attrapez-vous maintenant, petits hommes bleus. Oh putain, il a une barbichette. Merci. Oh, j'ai cru que j'allais y passer. Dans le conduit d'aération, verrouille derrière toi. Oh putain, il est gros. Je vais me battre aussi longtemps que j'en serai capable. Mais ce n'est pas possible. D'accord. Bonne chance. S'en bat les couilles. Il est marrant leur logo VT. Hein. Et pourtant, c'était fait par les gars d'Interplay. Hein. Amis, hein, pas d'importance. Nous vouloir abri et détruire tout ce qui nous en empêchera. Je n'ai pas peur de la mort. Nous allons bien voir qui a les meilleures armes. Les amis. Mais ils les défoncent tous. Il s'est pas visé par contre. Les amis, je propose qu'on fasse une pause. Les doubleurs étaient à fond, oui. Mais par contre, on n'entend pas les voix, quoi. Enfin, je suis désolé, je vais devoir remettre les bruitages.
Mais moi j'entends que dalle, hein. Mais les amis, je vais... on va faire une pause, on va en rester là parce que je suis déjà à 1h16 d'épisode. Hein ? Ouais, on va baisser un peu la luminosité. Parce qu'on aime quand c'est... on n'y voit rien. Voilà. Et de toute façon, j'ai fait une sauvegarde déjà. Donc on va laisser la meuf comme ça. Hein. Et du coup, les amis... Merde. Hop. Fin de cet épisode et à la prochaine pour la suite des épopées de Nadia. Et il y a peut-être moyen que, au final, j'arrive à finir le jeu pendant ce live, hein. À mon avis, hein. Je pense que je suis pas très loin de la fin. Hein. Bref, les bisous et à la prochaine sur YouTube. Bisous, bye bye. Einstein said that space is elastic. Twist his theory, it comes out bombastic. A mushroom cloud, a sight fantastic. Stick your head between your legs, kiss your ass goodbye. A happy electron, a neutron its mate. Don't give a damn about apocalyptic fate. They party till midnight, then boom, it's too late. It's a nuclear blast.